jamais de toi. Si on se bat, on peut tous ensemble remporter le combat. Je sens qu'il résonne, les cris de la victoire. Pokémon, c'est lorsque tu es seul ici, seule personne, que tu trouves la joie et la force de mille hommes. Tu verras, les amis sont là pour toi. Tu te relèveras de ce pas. Oui, pour la justice, bat-toi à son service, tiens bon. Près de toi, si l'on se bat, on peut tous ensemble remporter le combat. Je les entends qui résonnent. Crime de la victoire, Pokémon. Bon. Ouais. Pis là, il gagne. C'est la en plus. Ça va sortir dans quel épisode, ça? Je sais pas. Quel épisode, c'est dans un film? Le prochain. Ouais, ok. T'es capté. J'ai comme un mauvais pressentiment. Donc là, tout le monde se retrouve à un moment d'une vidéo, peut-être au début. Mais, je trouve un petit chien qui se promenait chez moi, puis il est rendu méchant, mais je vais essayer de l'adopter. Si j'ai des os, j'ai des os. Et on va l'adopter, et aussi je vais vous montrer un truc que je suis en train de travailler dessus. Hop. Allez, non, je donne ma bouffe là. J'arrive pas à l'adopter parce que... Parce qu'il est méchant en fait, il vise les mobs. Mais le chien il est pas adopté, regardez. Il va essayer d'attaquer le mob là-bas. Il est tout mignon. Voilà. Hey, I want to keep it on. Hey. Ready, need some sausage. All I need. J'étais en train de refaire mon extrude, mais Tom il m'a montré comment faire un plus bel. Un plus beau shit là. Oh. Il m'entend pas, je suis mute. Hey, buddy, want to keep it on. Hey, buddy, want voilà. To keep it on. Voilà, et on t'adopte. Petit chien. Sausage. Voilà. Du coup, je vais l'appeler Sky. Oui, pourquoi pas. Hey. En l'air du chien de Minecraft Evolve et de la fin de Squiddy Cube. Comment j'avais bouché? On voulait plus comme ça, on voulait plus Sky, pourquoi pas. Hop. Et ici j'avais cassé des blocs. C'est cool. Hop. The fuck, nigga? What the fuck? Who the fuck you looking at? He didn't hear me. No. Hop. On va le mettre en bleu. Hop. Voilà. Du coup, on va le cacher chez nous. S'il veut me suivre, suis-moi. Mon chat, non, mon chat, il est là. Allez, viens. Viens, viens, aussi. Hop. Voilà. Et voilà. On va tout boucher. C'est pas grave. Du coup, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait en haut. C'est vraiment ses débuts. Hein. Je suis en train de regarder un tuto pour le faire. Je vais le faire après. C'est un update du villageur à breeding, donc je vais en faire un juste à côté du spawn. Check sur mon Discord, qu'est-ce que Tom y est en train de donc, faire. Je reviens juste après. Et donc, on se retrouve parce que Rival m'a fait une prank au spawn. Donc on va aller voir ça. J'ai jamais regardé. Fait que pour une fois, ça sera pas une surprise. Non, tu voulais pas. Je voulais pas regarder, c'est vrai. Ah, mais c'est vrai, parce que les autres vont être. Yes. Mais j'avais pas le choix, je peux se connecter, puis j'ai comme, oh, les ponies. J'étais comme. Oh. Ah, wow! Comme c'est moi de faux! Oui, je m'étais muté.
Et donc, j'ai oublié de préciser, mais on a terminé aussi l'usine à villageois que j'avais commencé avant l'ellipse. Et du coup, ben, ça produit pas mal. Donc, y a pas. Oh merde, y'a plein de Liberian. J'avais pas vu. Je sais, mais y'en a un qui c'est un Infinity. Le coffre de scie. Banafar 3 pod. Infinity. Knockback 2. Mais y'a peut-être d'autres trades avec. On verra, on verra. Ouais. Ah, y'en a plein, ça va être nice. Faudra faire plein de trades. On a tiré le Infinity en premier. Yes. C'est qui le meilleur? Ah, allô, il y a Arnaud. Coucou. Arnaud qui est nouveau de aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ailleurs, d'ailleurs. Avec son pote Gégaz. Donc, est-ce que tu peux me prendre dans ma maison? T'es chez moi? Ouais, chez vous, là, check. T'es chez moi? Je suis au-dessus sur Moi, je l'île. peux chez vous, je peux chez vous. Ah, mais j'y vais? Je C'est dans la pas maison? dans le Est-ce que c'est Ouais, c'est dans faisable? la maison. Mais d'ailleurs, j'ai mis Ultra. J'en profite pour Mais jouer. le sort du jeu. Mais à coup, je suis en train de descendre. Ouais, mais le sort du jeu. Mais il y a déjà le son du jeu. La musique ou juste le son? Ok, c'est bon. Je sais que tu l'aimes. Sauras-tu le reconnaître? Ça va. Mais y a rien dans la maison. Tu goûtes pour la taille? Mais y a rien. Le bouton! Quel bouton? Rien, toujours rien. Ah oh, oui, le bouton. Je pèse dessus. Qu'est-ce que Et... C'est pas genre attends. Oh, c'est la fin de la chanson. J'en ai chié hein, pour le faire. Mais Pour pourquoi t'as pas fait genre le début ou un truc du genre? Et je voulais faire toute la toune. Mais en fait, toute Mais la toune, j'avais pas mais genre, de juste au début, ouais. tu vois. Mais je voulais faire toute la toune, mais c'est ce que le gars il faisait sur une ligne droite, genre, mais en tout cas, puis ta maison est pas longue de même. Et du coup, je voulais le faire en espèce de gros carré, genre, en descendant. Mais Ouais. je sais pas si ça allait marcher, donc je n'ai pas de. Oh, je vais juste aller voir le système, mais après, je dois partir, donc je vais arrêter la vidéo. Là, je vois ça. Oula, des fois qu'il y a un squelette dans ton système. Deux. Ton système est pas éclairé. Je sais. Dans ma vie, c'était bon. Ah, c'est pas mal. Hein. Yeah. Oh, il y a mon chien qui est descendu. Lève-toi. Oula. Lève-toi. Ouais, il est nice. Tant que Q rival, je vais la garder là cette prank. Vous savez qu'elle allait regarder. Ah oui. Alors Allez. après, tu le voyais pas le. Mais non, je t'ai arrivé, j'ai juste vu le bouton. Ouais, pas le bouton, mais le. Ah, t'es là. Ok, tu peux fermer. Juste vu. Le truc là. Le panneau. On avait Ah, tu reviens. Ouais, donc moi, du vous coup, je fais une ellipse le temps de faire autre chose, je sais pas. C'est de vous présenter le volcan que j'ai construit, que j'ai pas encore montré en vidéo. Allez, viens ici. Façon, vous voulez chercher la bourse, c'est pour ça que je te respawn au début. Allez. Et mon cheval est parti encore. Mon cheval, il s'enfuit tout le temps. Et donc, tout le monde se Tapis. retrouve en compagnie de Yoda Pour la murée d'arrière-fond. qui ne m'entend pas, mais c'est pas grave. Donc, normalement. Plus ça, bien sûr. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire. On va quand même assez rapidement régler la question. J'en avais besoin pour ça et ça. Ça en fait normalement 7, si j'ai quand même compté. Donc 7 livres. Et pas mal d'émeraudes que j'ai farmé pendant longtemps. D'où aussi mes levels. Parce que le trade de villageois et de rotten flesh
donne pas mal d'XP. Pinch Mending, 28 émeraudes. Donc c'est beaucoup. Mais c'est pas beaucoup. Contrairement au spawn, c'est vraiment pas beaucoup. Voilà. Donc on va essayer. Je pense qu'il va m'en manquer peut-être un ou deux. Je risque peut-être même de bloquer son trade. Ouais, une fois au moins. Ok, 5, 6, 7, 8. Il m'en manque 3. Est-ce que j'ai assez pour 3? J'ai pas assez pour... Il me manque 3 émeraudes. Déjà, j'ai un ici que je peux faire comme ça. Il m'en manque 2, du coup. Est-ce qu'il y a pas un... Finis d'en trouver les 2 émeraudes qui me restent. Et l'encre, donc ça, c'est fait. J'ai mes émeraudes, j'ai plus rien. Je t'ai déposé, je suis retourné chez moi, c'était assez chiant. Et du coup, on a notre full... Non, c'est pas lui. MDR. Ça doit être lui. Oula. Ah, c'est lui, c'est bon. Hop, hop. Et voilà. Du coup, il faut décider sur quoi on le met. Déjà, sur notre armure, ça c'est certain. Hop, c'est pas par là, c'est par là. Donc on va utiliser donc la maîtrise de fou, désolé. Au pire, je la rembourserai un jour si elle pète. Je sais pas si elle est bientôt cassée. En tout cas, on peut pas vraiment le voir. Donc l'under chest, on va déjà le mettre sur le stuff qu'on va pouvoir enfin équiper. Ça fait fucking longtemps qu'on l'a. Hop, mending. 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 Ça enlève pas mal de level déjà. Mending. Ensuite, l'élytra, ça... l'arc à l'élytra plutôt. L'élytra, je l'ai déjà. Du coup, ça, on vire. Ouais. Du coup, ça, on peut virer. Hop, hop, hop. Du coup, on aura un plastron en cas de rechange. Qu'on va laisser ici, du coup. Et trois trucs. Bon, j'ai le choix. L'épée, la hache, qui est vraiment assez puissante. Ou la pioche. Ou les trois. Non, j'en veux un sur cet arc. Mais la hache est vraiment pas mal. Elle est même plus puissante que l'épée. Elle fait 12 d'attaque de mage. L'épée en fait seulement 9-5. Mais je vais taper surtout avec l'épée. Donc je crois la mettre là-dessus. Sur l'arc. Et sur la pioche. Et celle-là est plus puissante que celle-là. Est-ce que j'ai une efficiency? Nope. Ça c'est quoi? Ça c'est power. Et donc voilà. Et du coup j'en aurai pas sur mon arc. J'ai un autre arc. Avec power, mais du coup je l'utiliserai pas parce que j'en ai pas vraiment besoin, au pire je le répare. C'est la première fois donc. En plus, un arc c'est quand même assez difficile à tout utiliser niveau XP. Donc, hop, hop, et hop. Donc ça c'est fait. J'ai utilisé quasiment tous les levels, je pourrais en même enchanter deux trucs. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait enchanter, on pourrait enchanter une épée peut-être. Ouais, une épée pour faire une meilleure épée que celle-là. Pourquoi pas. J'ai une table de craft ici. Donc une épée level 30 du coup. Hop. Petite épée. Est-ce que j'ai du lapis? Oui, j'ai du lapis évidemment. Hop, on va tout prendre. Et du coup, qu'est-ce qu'on propose? Smice. Ok, c'est de caca. Est-ce que j'ai les torches? Je peux m'en faire du coup. Hop. Hop, hop. Qu'est-ce qu'on propose? Smite. Smite. Pourquoi Smite? Pourquoi? Bon, on va enchanter autre chose du coup. Qu'est-ce qu'on peut enchanter? Non, pas là-dedans. Là-dedans. Y a pas grand-chose à enchanter. On va s'enchanter un petit truc de merde. Qu'on va faire là. Genre une. Bah, le stuff en fer, off pur. Hop. Level 1. Du coup, avec le nouveau bruit des enchantes. Looting 3, je ne l'avais pas. Hop. Oh mon dieu. Wouh. C'est pas mal ça comme épée. Hop. Non, c'est pas ici du tout qu'on doit fusionner. Et du coup, hop. Et hop. 28 level GP, là c'est même pour la renommée. On va... Ouais, on va voir comme ça. Hop. Du coup, on va l'appeler l'épée impériale. Avant, je l'aurais appelé Naya Sorn, mais bon. Rip Nayati. Épée impériale. Et voilà, du coup on va se retrouver nous avec le stuff ultime pour la suite ou un autre partie d'épisode. Je sais pas, de toute façon ces temps-ci je fais des épisodes un peu n'importe comment. Dans n'importe quel ordre je veux dire.
Donc ce n'est pas très grave. Donc on se retrouve pour quelque chose d'autre de l'épisode, ou peut-être la fin de l'épisode. De toute façon, je ferai une outro si c'est la fin de l'épisode. Donc on se retrouve à la prochaine. Ou tout à l'heure. Et donc, on se retrouve pour la fin de la vidéo pour vous montrer qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, hier et avant-hier. Donc vous voyez que j'ai pas mal de sous, vous verrez pourquoi. Dès que je vais me retourner, la chose est derrière, on le voit sur l'écran, il y a pas mal de trucs. J'ai construit une grosse partie de l'extérieur de ma base principale. Donc on va se retourner, ça a un peu choqué les yeux. C'est, sous certains aspects, c'est quand même, sur certains points de vue de où est-ce qu'on le regarde, c'est un peu différent. Mais j'ai trouvé le meilleur point de vue qu'on peut avoir de la chose pour que ce soit le plus grand possible. Donc, c'est quand même assez grand. C'est pas ça là-bas, ça c'est quand même joli, je vois sûrement des trucs jusqu'à là-bas. On va se retrouver, j'avais dit que je voulais faire un volcan. On le voit sur le coin de l'écran, sur le coin de la minimap. Et hop, donc il est pas extrêmement grand. D'où pourquoi je me suis mis là pour avoir le meilleur, le plus gros point possible. Ça, ça a pas rapport avec le volcan d'ailleurs. Hop. Mais du coup, c'est pas très très grave parce qu'il est plutôt cool. Oui, d'ailleurs, je me suis stuffé quand même avec le meilleur stuff possible. Et ça m'a pris énormément de temps. Donc ça, je l'ai fait pendant que je faisais les enchantes tout à l'heure. Ben, c'était pas tout à fait terminé. Il me manquait la lave à poser, en fait. Et du coup, ben, j'ai fait pas mal de sauts. Du coup, je n'ai plus de fer du tout. Faudrait que j'aille miner. Et parce que ça m'a pris quand même pas mal de fer avec les villageois. Que c'est quasiment tout, juste ça que j'ai traîné. Parce que 8 fer pour une émeraude, c'est quand même quelque chose de très bien. Du coup, je suis encore avec Yoda, sauf que là, il est assez tard, du coup, on parle pas trop ensemble. Je vais sûrement bientôt partir, de toute façon. Pour aller faire petit dodo. Hop. Du coup, on monte. Il y a des coulées de lave qui vont de partout. Et en fait, hop, on va continuer à monter. Tout en haut. Il y a le cœur du volcan, si on veut. Mais le cœur. Où est-ce qu'il y a toute la lave, en fait. Oh merde. Hop. Ouf! Mon dieu. J'ai des petits bugs en fait avec les mods, c'est pour ça que je les mets pas souvent. Hop. Est-ce qu'il manque ce nom? J'ai plutôt là. Ça va rester comme ça, c'est pas grave. Donc dans le fond, ici c'est plein. Vous avez, je peux pas vraiment vous le montrer, mais je vais vous le montrer par en dessous en fait. En fait, en dessous, c'est pas plein. Merde. Je vais pas mettre de l'eau pour pas enlever la lave au complet. Ça coule, ça se met à couler, ça serait assez désastreux. C'est pas grave. Hop. Je vais vous montrer à l'intérieur à quoi ça ressemble. Le volcan est creux, hein, je vous avertis. Sinon, ça m'a pris des doubles chests et des doubles chests entiers de stone. Et il y a un zombie qui me suit. Hop. Voilà. Et du coup, c'est quand même assez grand. Donc, le volcan là, ici, il y a la cheminée que je suis en train de faire. J'hésite. Est-ce que le volcan soit la base? Est-ce que je fasse des murs autour pour pas qu'on voit les murs du volcan, dans le fond? Et à faire une base intérieure. Je pense que je vais faire ça comme entrée de base. Je vais mettre un gros mur, une grosse salle. On verra pas les contours du volcan. Du coup, on va tomber dans le trou, en fait. Je vais enlever ça ici, puis je mettrai des... parce que derrière ça, il y a la lave, en fait. Donc, je mettrai des panneaux. Donc, on va tomber dans la base. Et je ferai une sorte secrète par là, ou sinon... de trucs du genre, et du coup on va tomber ici, on va tomber dans le plein milieu de la base, du coup il y aura le trou de... il y aura des chemins qui vont aller de partout. Ça c'est ce que je prévois. Sinon ça c'est pour la base. Plus loin on fera sûrement des passages secrets dans la base qui vont relier jusqu'aux autres îles, parce qu'on voit en fait que je suis pas mal... mort... sur une archipel, on pourrait dire. Donc oui, il y a pas mal d'îles là-bas. Je ferai sûrement des trucs là-bas, aussi. Donc on se retrouve, du coup on va s'arrêter pour cet épisode-ci. On va se retrouver à la prochaine, du coup, pour le prochain épisode. Peut-être pour l'aménagement de la base. On se retrouve à la prochaine. Allez, ciao ciao.